Bon, let's go sur le 1v1 là ou quoi? Bah, écoute. Ah, mais moi je mets pas d'argent. Moi je mets pas d'argent, par contre. Vas-y, un peu quand même, pour avoir votre niveau du coup. Simo Pisper, il doit faire 20 pompes. Ah, je suis fatigué, moi. Ouais, mais t'es fatigant aussi, donc t'inquiète. Ok. Et si tu gagnes, Mopiz, une C920, payée par Excelsior. Ça te va, Excel? Ouais, ça me va. Map de 1v1, allez, let's go. Soit plane, soit house, soit Bartlett. En Secure Zone ou en otage? Secure Zone, ouais. Je vais me faire poutrer, vous allez voir. Bah, Excel, là, super, franchement. Attention. Vas-y, let's go sur house, là. Mopiz, tu veux une nouvelle caméra ou quoi? Ouais. Tu vas gagner, là, ou quoi? Ouais. Là, je vais me donner à fond, là. Là, tu vas te donner à fond. Ouais, vraiment. Moi, je pense que tu vas te faire traumatiser. Ah, bon bah alors... Bah montre-moi le contraire. Je dois le prendre comment? Bah tu dois me prouver le contraire. Mais ok. Mais alors je vais pas être traumatisé. Tu vas me prouver le contraire. Ouais. Ah oh, on en sécu. Bah oui on en sécu. Oh j'en peux plus à l'aide. Oh c'est de la merde la sécu. Vas-y mettez-vous sur un chat ailleurs. Oh moi je reste là. Ah ok, tu vas te faire traumatiser. Arrête de dire ça, pourquoi? C'est sûr il a pris de la testo avant de jouer ou quoi? Me coupe une couille c'est Mopiz. J'ai mis 10k sur Mopiz. Vous connaissez rien à bosser. Il arrive pas à se concentrer, c'est ça son problème. Voyons les caméras qu'il va utiliser. Ah. Ah. Oh, et ouais. C'est un Meribis. Dès qu'il y a de la thune en jeu, hop là, on récupère la capacité de concentration. Une kickette, pourquoi je pique? Concentre-toi. Si t'en arrives de par là. Il me ferait chier parce que là je suis à découvert. Il est sur ma droite là, non? Non! Ah, il est rentré. Mais je l'entends! Non, je l'entends pas du tout là. J'ai pas envie de faire des pompes. J'ai pas envie de faire des pompes, qui dit. C'est balle de match, hein, y'aura une revenge. Y'a Maverick, c'est ma petite touche quoi. J'aime bien Maverick. Pourquoi Maverick? Ah, j'aurais pu buter. Mais depuis quand on peut sortir là? D'habitude on peut pas sortir si c'est d'un étage. Voilà. Mais on peut pas sortir normalement si c'est d'un étage. Oh. Y'a pas la map parce que tu peux pas sortir quand c'est d'un étage et là forcément tu peux. Il a cheaté. J'ai cheaté. Il a appuyé sur la barre espace. Non, bien joué. Où est-ce que tu peux pas sortir où il y a un étage? Sur Oregon, il y a pas de logique. L'armurerie. Ouais, bah vas-y, bah armurerie, tu peux pas sortir de l'armurerie par la fenêtre. Non. Ah bah oui, non, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai, t'as raison. C'est une bonne façon de voir les choses. Pour cette énorme connerie que tu viens de dire, en étant absolument sûr de toi, s'il te plaît, tu vas me faire 30 pompes, s'il te plaît. Et tu vas me faire les plus belles pompes. D'accord? Donc tu te le notes dans ta tête là. Si tu perds, tu me fais 30 pompes. On peut pas sauter de la fenêtre de l'armurerie? Réfléchis bien. Bah non. À ton avis, si je te pose la question de cette façon, qu'est-ce que t'en penses? Qui est-ce qui gueule derrière là? C'est mamie. C'est mamie qui pète un câble là? Elle dit quoi, mamie? Je sais pas, mais elle s'énerve pas en tout cas. Elle était vénère là, non? Parce que t'as perdu. Hein. Elle regarde le match. Non. Tu vas gagner ou quoi? Je vais gagner. T'es sûr? Vas-y, tu veux quoi, Mopiz? Oregon, ça ira? Tu pourras sortir par la fenêtre armurerie. Hein. Non, vas-y, remets house, remets. T'es sûr? Non, c'est bon, remets house. T'es sûr? Je vais pas sortir. On va mettre plane. Je sais même pas c'est quoi plane. C'est l'avion. C'est un avion. Oh non. Bah vas-y, frérot, vomis. C'est parce que quand je bois de l'eau, après je. Bah le fais pas. J'ai pas envie de perdre. J'ai pas envie de perdre, bah joue alors. Quelle est la map que tu connais le mieux? Oregon, je la connais pas mal quand même. Ok, let's go sur Oregon. En avant. Est-ce qu'on est bon, Mopiz? Bah on est en sécu quoi, mais bon. C'est très bien, sécu. Oui, c'est normal, c'est du 1v1. On va pas jouer la bombe. Hein. T'auras deux sites à défendre et c'est compliqué. Hein. Ouais, j'avoue. Ça va aller?
On y va? Eh, j'ai l'impression que tu me prends pour un bébé, ça m'énerve. Un petit peu, ouais. On va y aller, mon petit Mopiz. Oh, Doudou, on va aller mettre des grosses fessées. Mopiz, Mopizou. Allez, stop, là, let's go. J'ai faim. T'as mangé à 18h. Non, pas dans ce sens-là. T'as faim de victoire. Ouais. Qu'est-ce qui va pas? Analyse. Première décale, quelles sont tes erreurs? Je pique alors qu'il n'y a pas besoin. Bah, tu piques alors que déjà, en termes de mécanique pure, t'es moins bon que lui. Ah. Donc, si en termes de mécanique pure, t'es moins bon que lui, comment est-ce que tu peux être meilleur que lui? En prenant des lignes. Oh, ouais. Donc, ça veut dire quoi, prendre des lignes? Ne pas piquer. Prendre des lignes, en fait, ça fait référence à une autre faculté, en fait. Le game sense. Non, c'est plus simple. Si tu prends des lignes, Non. Si tu prends des lignes, il faut déjà que tu saches par où il va arriver. On peut pas arriver qu'à un seul endroit. Donc du coup. Bah c'est pour ça que Valkyrie c'était bien. Oh ouais, ok. Et les infos, elles te permettent de faire quoi derrière? Elles permettent de te placer, ok? De ton placement. Mm-hmm. D'essayer de réfléchir à une position où tu penses que le duel va être favorable. Est-ce que ça, c'est compréhensible ou pas? Il est dans les escaliers, d'accord? Tu as une caméra. Tu pings sur la caméra. Tu as décalé une fois, on est d'accord? Mm-hmm. Et tu as balancé un petit pré-shot, oui ou non? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe en face dans la tête de l'autre? Bam, il faut faire. Il a l'info où est-ce que je suis. Exactement. Il fait quoi? Il prend une ligne. Du coup, il est mieux placé que toi. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas faire dans ce cas-là? Pique. Redécaler. T'as déjà perdu ton duel en fait. Avant même de redécaler, t'as perdu ton duel. Il a un meilleur aim que toi. Il a des meilleures mécaniques que toi. Donc tu peux pas jouer sur les mécaniques pures et dures. Tu peux pas jouer sur le fait de donner un petit coup d'épaule, un petit truc, etc. Machin. Donc une fois que t'as perdu ta décale, t'as donné ta position. Et un peu comme quand tu casses un drone, tu te replaces. Parce que la grande différence entre lui et toi, c'est que lui, il doit bouger. Il doit venir. Alors que toi, t'as pas besoin de bouger. Exactement. Tu prends des lignes cassées. Tu prends pas des lignes directes. Tu vas pas aller le jouer dans les escaliers alors qu'il t'attend à cet endroit-là, quoi. Tu casses un drone, il a l'info, tu te replaces, ok, et t'attends, et t'écoutes. Et au moment où ton son te permet de te dire, ok, je vois où il est, je sais où il est parce que là, il est en train de décaler à cet endroit-là, let's go, j'y vais. Et là, je décale, et je le surprends. Ouais, je vois. Donc, sur ta truc de tout à l'heure, là, si on reprend, par exemple, la même ligne que tout à l'heure, là où t'avais ta Valkyrie, les Valkyries étaient bonnes et tout, il vient de jouer, va se mettre dans l'escalier. Y a pas besoin. Je retape par la kids. Oui, une fois que t'as perdu ton duel, ouais, il aurait fallu que tu bouges. Non, tu peux back de 2 mètres un petit peu en te disant, je vais reprendre une ligne cassée, je me mets derrière un buffet auquel il va pas m'attendre en fait. Une ligne cassée, c'est pas une ligne directe quoi, c'est pas une grande ligne quoi. C'est une ligne où en fait, pour y venir, il va devoir être en mouvement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Arrête avec Maverick aussi, il a pris Castle. Ouais, prends un sledge quasiment tout le temps là. Vas-y, prends du sledge en attaque et tout, si t'as envie de balancer de la grenade. Et n'oublie pas, c'est un 1v1. Donc quand lui il sait que tu balances un drone par exemple à un endroit, si t'es sur ton drone, alors t'es pas en train de le viser. Quand t'es en 5v5, même quand il y a un drone, il peut y avoir un ennemi qui te pousse juste derrière le drone en fait. Un mec qui drone et un autre derrière. C'est pas parce que tu pètes un drone que tu peux te resituer, relocaliser. Mais lui, quand il t'a vu droner, bah, il sait que vous êtes en 1v1. Donc il sait que tu n'es pas en train de tenir une ligne. Il a juste à casser ton drone et à se barrer. Le temps que tu sors de ton drone et machin, etc. Ça met du temps ça. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Il était sous la fenêtre, il a entendu la grenade et toi tu te dis bah c'est bon, il est sous la fenêtre. Bah oui, mais il sait très bien qu'il y a personne d'autre qui est en train de tenir la ligne au moment où tu vas balancer la grenade. Non, mais moi dans ma tête j'avais pas l'information qu'il pouvait sauter. Bah oui, mais bon, ça c'est un autre truc, ça s'appelle le map knowledge. Ça c'est ta connaissance du jeu. Mais et... je te jure qu'il y a des maps où est-ce que tu peux pas sauter. Non, ça, bah, j'en suis sûr. Oui, mais il y a, oui, ah, bien sûr, il y a des fenêtres auxquelles tu peux pas sauter, mais c'est les fenêtres qui sont décidées. Elles ont pas une logique universelle qui dirait parce qu'elles sont au premier étage, tu peux pas sauter. Bon, déjà, il y a une logique qui est à peu près constante, ça c'est sûr. Si tu sautes et que tu meurs, ces fenêtres-là ont forcément été enlevées. Mais il y a des fenêtres où tu sautes de très haut. La fenêtre bureau PDG sur consulat, les deux fenêtres là, tu peux sauter là. Et c'est très haut en l'occurrence, ok? Et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais au début de Rainbow Six, il me semble que tu prenais même des dégâts de chute à cet endroit là, il me semble. De mémoire, ouais. Oui. Mais dis pas oui, t'as commencé il y a 3 semaines. J'ai pas commencé il y a 3 semaines. Ah, c'est une façon de parler. Je l'avais déjà sur Play avant. Il me semble qu'au début, tu prenais des dégâts de chute parce que tu tuais à cet endroit là. Et on se suicidait à cet endroit là jusqu'à ce qu'on trouve la faille sur le bureau, sur le balcon où il y a un endroit où tu peux volt. Le seul endroit où tu peux volt du balcon. Mais donc voilà, c'est la seule constante quoi. Il y a des fenêtres. C'est du par cœur, c'est le problème de Rainbow Six, hein. C'est la difficulté d'R6, c'est du par cœur. Du coup, normalement, tu peux sauter Babi. Oui, Babi, tu peux, oui. Tu peux faire une rota et rentrer directement dans la classroom derrière. Mais allez, vas-y. Mais il n'y a pas de truc de constante de premier étage ou je ne sais quoi, quoi. Et c'est ça qui fait qu'après, tu t'améliores en étant un bon joueur, quoi. Tu te fais pas surprendre par des problèmes de connaissance de map, des lignes que tu connais pas, des petites erreurs comme ça, etc. Et là, du coup, t'as pas besoin de te donner. T'es en défense, c'est lui qui doit perdre. Que Valkyrie, prendre les infos de Valkyrie, etc., c'est bien. Let's go. Mais n'oublie pas, il y a un truc.
Une fois qu'il a plus de drone, alors il a plus réellement d'autres possibilités que de faire du face check. Si tu mets ta tête à un endroit qui est connu, sur une ligne qui est connue, il la connaît. Par définition. Donc il va pique à cette ligne, il va peut-être pré-shot ou il va peut-être regarder l'endroit où tu as mis ta tête parce que c'est un endroit de tête connu, tu vois ce que je veux dire ? Un passant de porte, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ok, très bien. Ça lui donnera un avantage à lui parce qu'il est en mouvement et toi, t'es au repos, enfin, t'es à l'arrêt, ok ? Pique advantage. Pour éviter ça, bah, il faut pas que tu mettes ta tête à des endroits qui sont connus. Donc en gros, je casse le premier drone, je casse le deuxième drone, il a plus vraiment d'informations de savoir où est ma position et derrière, je mets un peu ma tête à des endroits assez couverts et pas vraiment connus. Et je ne bouge plus et j'écoute. C'est vraiment ta proie à ce moment-là. T'écoutes et tu dis, mec, à chaque fois que tu bouges, tu le sais pas, mais moi je prends les infos sur toi. Et il y a un moment où je vais comprendre où est-ce qu'elle est ta position, etc., etc., et je vais te niquer. Elle est pas belle. Je voulais avoir une info pour pouvoir mettre le C4 dans dessous, là, mais elle est mal placée. L'idée est pas mauvaise. Là, tu viens de passer sur une ligne où t'aurais pu mourir. Connaissance de la map. Il aurait très bien pu être là. Ne fais pas de bruit. Arrête de bouger dans tous les sens. Écoute. Casse les drones et reste à proximité du bomb site au cas où il va arriver dessus. La même façon que tu joues les clutches. Exactement. Voilà. Oui, il y a eu un drone. Alors qu'est-ce que tu dois faire ? Essayer de le trouver. Tu l'as entendu sauter ? Non. Non, pourquoi tu regardes en l'air ? Je l'ai pas vu. Mais il a pris une petite ligne cassée. Et toi, tu t'es laissé surprendre. Et t'as pas réfléchi. Tu t'es mis dans la kitchen au lieu d'être sur le bomb site, quoi. Et t'as pas réagi tout de suite sur le drone. Et là, c'est le son le problème. T'aurais cassé le drone, t'aurais relocalisé. Et c'était bon. Il est à toi celui-là. Let's go, t'y vas. Voilà. Ça. Ça, c'est la première carte d'un château de cartes. T'as compris ça ? C'est pas juste un drone. C'est la première carte du château de cartes. Là, ça fait déjà 2 minutes 29. Il pourrait déjà être dans le blue. T'as vu ? Doucement, c'est un blitz. C'est pied. Si le truc est contesté, il est sur le site avec toi. Il est où du coup ? Dis-moi. Il est à la rota. Ok. Les pieds ! Les pieds ! Mais j'ai visé les pieds ! Non ! Si. Non ! À aucun moment t'as visé ses pieds, ok ? Les pieds, c'est les pieds. C'est pas les jambes. C'est pas le bas du corps. C'est les orteils. Faut que tu vises les orteils sur Blitz. On essaie de prendre l'information sans perdre son drone de où il est. Le drone coûte trop cher. Stop ! Ne perds pas ce drone. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Dis-moi. Avancer. Par où ? Main. Ok. Comment tu savais qu'il était pas dans le garage ? Le chien, je l'aurais vu au drone de tout à l'heure. Maintenant, faut le trouver. Parce que le but du jeu, ça va être de savoir où est-ce qu'il est. Parce que lui, il est pas con. Ok ? Là, il a vu ton drone, on est d'accord ? Ouais. Le but du jeu, c'est de savoir où il est. De pas perdre de temps. On est en attaque. Il y a quand même des grandes chances qu'il soit exactement comme je t'ai dit et comme il faut jouer à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il ne bouge qu'à chaque fois qu'il a des informations sur toi. Tu casses une caméra, tu peux te dire que là, il est peut-être en train de bouger. D'accord ? Il casse son drone, il bouge. Tu m'as dit que tu voulais jouer le main, non ? Oui. Mais vu qu'il a vu mon drone et que j'ai cassé la caméra, je peux peut-être faire une diversion en cassant la trappe ici et revenir de l'autre côté. Ok, très bien. Joue sur plusieurs angles, fais-le danser un peu. Trouve-le. Ne perds pas ton drone. Je l'ai entendu. Non, mais... On tire pas, là. Excel, mon poulet, on arrête là pour ce soir ? Je te fais des bisous. GG, poulet. Yes, GG. Bisous, poulet. Ciao.